Bonjour, bienvenue à l'émission J'éduque pour la vie. Aujourd'hui, on va aller voir Marie-Ève avec son chien Jackson. Bonjour Marie-Ève. Salut. Oui, aujourd'hui, on est avec Jackson. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec le beau Jackson? Quand il croise un chien, il s'affole. C'est vraiment le terme. Puis c'est pas méchant. Je sais que mon chien est pas méchant, mais il veut vraiment. Puis il y a des gens qui aiment pas ça. Donc, j'essaie vraiment de le retenir, puis je me débat avec lui. Là. C'est incroyable. OK. Fait qu'il jappe, puis il tire, puis oui. Il fait-tu d'autres choses? Bien, il peut siffler, il veut courir, il tire vraiment fort. Là. OK. Puis là, Jackson, il a quel âge? Il y a un an et demi. OK. Puis c'est depuis tout le toujours. Temps? OK. Oui, oui. Donc, c'est pas nouveau. Il a toujours fait ça depuis oui. Qu'il est petit. Oui. OK. Là, tantôt, tu as eu une rencontre avec Amélie et vous avez fait une pratique. Oui. Donc, on va aller voir ça. Mm-hmm. Et on se revoit après. Parfait. Ça arrive. Ah, si, Jackson! Donne-moi-le. Assis. Oui. Donne-moi-le. Voilà, OK? C'est ça, ici. OK? Tu vois? À chaque fois qu'il va te regarder, regarde-nous. Tu vas... OK? Il regarde. Oui, pas comme ça. Parle pas. OK? Parle pas. Tu vois? Juste à chaque fois qu'il va avoir un regard, OK? Mm-hmm. Vers la direction du chien, c'est là qu'il faut que tu le bloques visuellement. OK? Tu veux détourner, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Petite pluie de nourriture, comme ça, par terre. Tu peux y montrer? Concentre-toi là-dessus, mon coco. OK? Mm. Si c'est vraiment intense, on va même s'éloigner. OK? Puis tu peux le pousser comme ça. OK? Mm. C'est bon? Parfait, génial. Fait qu'on va commencer la pratique. Fait que là, mets-toi à l'avant. Bloque-le. Ouais, pour lui dire. Non, ça veut dire un non. Sois calme. On est calme, on a une assurance. On va en mettre par terre. Et là, ça sort pas. Ouais. On va y faire sentir. Il sent pas. OK. Passe-moi le. Clac, clac, clac. On le fait tourner. Voilà. On prend les distances. OK. Fais-le bouger. OK. Mm. S'il n'écoute pas dans ce temps-là quand il se met à tirer, juste de marcher. OK. Okay? De bouger, mais tout en le bloquant. OK. Jackson. Oui. On est calme. Fais-le bouger. Assis. Ouais. Ah, fais-le pas asseoir. Non. OK. Ouais. Jackson. Ouais, vas-y, bouge, marche. Super, c'est ça. C'est à toi à lui dire, suis-moi. OK. OK? Jackson. Même s'il tire, c'est pas grave. OK? Concentre-toi juste que l'intensité diminue un peu. Voilà, l'intensité descend un petit peu. Parfait. Là, tu vas tirer, tu vas ramener, OK? Parce que je veux juste pas que la laisse soit super tendue. Lâche-moi, lâche la laisse. On va juste ramener, on lousse. On ramène, on lousse, OK? Pour le garder plus calme. OK? OK. Génial, OK? Fait que fais juste marcher. La chose la plus importante, d'être calme, OK? Oups! Génial. Je vais faire une autre petite pluie de nourriture. Ici. Arrête, puis monte-y. Ouais, voilà, OK? La nourriture, ça va aider à faire descendre la tension. Jackson! Ouais, c'est ça. Concentre-toi là-dessus, juste là-dessus. Jackson! On va en mettre d'autres. Fais des becs une fois, OK? Okay. Pas trop, OK? Sinon, tu vas même lui montrer ici. Tu lui montres, mais tu le mets par terre, OK? Okay? Je veux pas que tu ailles lui donner directement dans la bouche. Okay. Parce que si tu lui donnes directement dans la bouche, tu es en train de dire « Bravo, mon coco, j'aime ça, qu'est-ce que tu fais? » Ah! Okay. C'est pas ça qu'on veut. S'il est énervé, fais juste le faire brasser un petit peu comme ça, okay. Juste pour qu'il se calme, juste attends qu'il se calme. C'est comme okay. Le bercer. Oui, c'est ça! C'est comme le bercer! Moi, j'appelle ça brasser le cerveau. Okay. On bouge un petit peu le cerveau juste pour qu'il se calme, c'est ça. Bon, il est d'une intensité un petit peu plus basse, OK? Puis on continue. Puis là, l'interaction, il faut continuer. Juste attends qu'il se calme. Bravo. Quand il est calme, on pourrait dire bravo. Bravo, Didi! Doucement, OK? C'est très bon. Important que ça soit doux, OK? Oui. Fait que là, tu vas le ramener, c'est correct? Jackson. Ouais, génial. Marche. Ouais, vas-y avec ton feeling. Qu'est-ce que tu penses? Super. Génial. Je vais y faire une petite pluie de nourriture. Oh, voilà. Wow. On descend la tension à chaque fois quand il y a de la pluie de nourriture. Wow. Super.
Ça, la pluie de nourriture va aider aussi, même pour l'humain, à se calmer. Okay? Mm-hmm. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Oui. OK? Mais il faut surtout se rappeler, regarde, là, ta laisse est tendue, il faut la rendre détendue. Je veux toujours qu'il y ait un sourire, en fait, dans la laisse. OK? Fait que tu ramènes, tu lousses. En fait, c'est pas je tire comme comme ça. C'est juste, je ramène, je lousse. OK? OK. Super. Puis là, tu marches, c'est parfait. Continue. L'autre chose, qu'est-ce que tu pourrais faire aussi, c'est une barrière avec lui, OK? Laisse-moi là. OK? Le chien, il est de ce côté-là. Moi, je vais me mettre de l'autre côté pour qu'il soit plus calme. OK? Mm-hmm. Voilà. Si je me mets de ce sens-là, il va avoir tendance à vouloir tirer, tu vois? Si je me mets comme ça, il va avoir moins tendance. OK? Okay. Oui, bravo! S'il se secoue, c'est parce qu'il se calme. OK. OK? Fait qu'on fait une barrière avec... avec nous. Mm-hmm. Puis en fait, la seule chose qu'il faut qu'il comprend, c'est je dois être calme, même s'il y a un chien à côté. Mm-hmm. OK? Et c'est à toi, en fait, d'y amener ce calme-là en le guidant, en marchant, en étant calme. OK? Fait qu'avec tout ça, puis avec ta barrière, OK, qu'on a essayé, ça a été plus difficile au début. Mais il faut persévérer. Il faut vraiment faire plusieurs mises en situation aussi. Puis il est capable. Oui, c'est ça. OK? C'est sûr, là, il y a un intérêt, mais c'est pas grave, c'est correct. Je veux juste pas qu'il soit en excès. Oui, c'est ça. Il peut avoir une réaction, mais... Ouais. Comme là aussi, ça se peut. Des fois, il peut recommencer. OK? C'est pas grave. OK? On n'est pas en situation d'échec. On est en apprentissage. C'est normal. OK? On marche dans ce temps-là. Voilà. T'es bon, Jack! Wow! Oui, mets-toi de l'autre côté, parfait, OK. Puis là, tout de suite après, paf, tu te mets à marcher. OK, tu le guides. Tu pourrais même aussi tourner. Clac, clac, clac. Tu sais, mon coco, tu me suis. Tu pourrais faire des ronds aussi. OK, tu dis non, non, c'est pas, tu regardes pas le chien. Tu me suis, moi. Comme ça. Tu me suis, mon coco. OK? Mais idéalement, on parle pas. Oui, bravo! S'il se secoue, toujours félicité. OK. Ah, ouais, il va falloir qu'il descende. Il descend. OK. Un ou deux coches d'adrénaline. OK. OK. Puis en fait, mets-toi vraiment dans un état d'esprit de dire, tu dois me suivre. Oui, c'est ça. Puis on capote pas. OK. Voilà. OK. S'il regardait un petit peu par là-bas, tu vois, je mettais une tension du sens opposé. OK. OK. T'es capable, Jack. Mais oui, t'es capable. Oui. Je te laisse. Juste d'être immobile, puis de je ramène, je lousse. Je ramène, je lousse. Tout le temps. Oui. OK? Il est bon, là. T'es bon, Jack! Bravo! Capable. OK. T'es bon! Ouais. Plus que tu parles aigu, plus que ça va l'exciter. OK. OK? Pas trop. Bravo! C'est ça, parce qu'on veut pas l'exciter. Ton œuvre, moi! Oui, OK? C'est ça aussi, c'est un défi. Fait que là, on est au parc à chiens. On va aller voir l'interaction avec les chiens ensemble. Je vais détailler un peu qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Ça, c'est la base quand même de la réactivité canine et de l'agressivité, de comprendre le langage au quotidien de son chien pour voir est-ce qu'il aime ça ou il n'aime pas ça. Correct, OK, génial. Fait que juste, en fait, l'interaction entre enfants et petits chiens comme ça. Là, il y a un gros câlin qui se donne. On voit que le chiot, en fait, a des petits signes qu'il ne veut pas trop parce qu'il est en train de s'éloigner. Le câlin, des fois, il est un petit peu trop fort. Moi, souvent, qu'est-ce que je vais expliquer aux enfants? OK? Regardez, comment qu'on va faire, OK? T'sais, on va juste faire sentir notre main. Okay. Faites sentir votre main, OK? Puis, puis si vous voulez le flatter, regarde mon grand, si tu veux le flatter, mets ta main de dos, comme ça, OK? Puis tu vas flatter comme ça. Parce que souvent, les chiens, ils vont préférer quand tu tournes ta main. Ouais, voilà, génial! On flatte comme ça parce que c'est beaucoup plus doux. T'sais, regarde, je vais te le faire. Si je fais ça comme ça, versus je fais ça comme ça. OK? Bien, bravo, vous faites bien ça. Il est cute.
Ouais. Bon, c'est parfait, ça. Bon, bien, en fait, justement, c'est vraiment important de faire de la prévention, d'expliquer aux enfants, aux ados, aux adultes, comment faire pour approcher un chien, comment le flatter, comment, en fait, décoder son langage. Donc, c'est la base de la réactivité canine et l'agressivité si on ne veut pas avoir des cas de morsure. Cette année, c'est un projet pilote chez Éducation Pile-Poil. On veut aller se promener justement dans les écoles pour pouvoir discuter davantage et expliquer comment qu'on fait pour rapprocher justement les chiens et pour mieux les comprendre. Mais l'interaction entre chiens, c'est vraiment super important qu'ils vont se sentir le derrière ou la gueule. C'est une belle présentation dans ce temps-là. Si on voit que le chien a la queue entre les deux jambes, c'est parce qu'il a peur, il est apeuré. Il peut avoir les oreilles qui vont être collées au crâne aussi. On a pu voir justement cette interaction-là avec le petit bébé qui a peur. C'est sûr que dans ce temps-là, il faut dire aux autres chiens de s'éloigner pour qu'ils prennent leur distance, puis les stopper parce qu'on ne veut pas que les chiens soient apeurés. Plus qu'un chien va avoir peur, en fait, plus qu'il peut se défendre par la suite et devenir réactif. Merci d'avoir été avec nous. C'est tout pour nous aujourd'hui. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à communiquer par le biais de Facebook avec Amélie d'Éducation Pile-Poil. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des bois francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.